Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smart Boy. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'ouverture de deux box. Hein, et donc du coup, je suis en compagnie de... Yoann, voilà. Salut, on est tous les deux. Du coup, on va s'ouvrir une box chacun. Yo va ouvrir la box... Necrozma... Crinière le couchant. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais ouvrir la box Necrozma, aile de l'aurore. Exact. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Allez, vas-y, je vais commencer à déblister les box et après on fera un petit tour. Ouais. Du coup, voilà, on va aller nous ouvrir les deux. Alors, vous avez déjà vu normalement l'ouverture des deux box sur la chaîne, hein, puisqu'on les a, je les ai ouverts tout seul, normalement, là, début de semaine, enfin, fin de semaine dernière. Puisque là, normalement, cette vidéo-là paraîtra lundi ou mercredi, ouais, je sais pas, enfin bref. En tout cas, moi, je les ai ouverts vendredi dernier. Alors, attends, faut que j'arrive à ouvrir. Hop là, c'est bon. Tac, tac, tac. Bon, alors, nette préférence pour celle-ci. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yo? Elle est bien, en plus, il y a le relief du Pokémon dessus. Ouais. Non, puis les couleurs sont plus chatoyantes, couleurs, plus sympas. Ouais. Oui, chatoyantes. Chatoyantes, très... Voilà, j'avais envie d'utiliser ce mot-là aujourd'hui. C'est un mot qui compte triple lorsque tu le mets au Scrabble. Parfait. Et là, on a l'autre. Avec des couleurs un peu plus bleutées. Alors, si vous entendez quelqu'un rire derrière, on n'est pas tout seul, on est avec Mimi. Voilà. Du coup, alors, on est trois, mais on va ouvrir que les. On va ouvrir avec Yo. Mimi est notre assistante de tournage. Ok ? T'es d'accord ? Voilà, elle acquiesce. Elle est d'accord. Voilà, super. Du coup, voilà. En fait, elle n'est pas si mal non plus. Hein. J'aime bien les couleurs bleutées, mais c'est vrai que je préfère les couleurs rougeâtres, jaunes, ouais. Là, du sol Galéo. Plus chaleureux. Ouais, plus sympa. Ouais. J'aime bien. Puis avec sa patte devant là, bien badass. Alors que lui, on sait pas trop. Bon, vas-y Yo, tu commences avec celle-ci. Ok. Et puis alors, je me pousse un peu, sortez de la place. Mets-toi bien en face. Alors, je vais pousser, vas-y, pousse celle-là. C'est bon, t'es bien installé? Ouais, très bien. Allez, vas-y. Oh, on n'a pas pris de sleeve. Elles sont sur le canapé. Ah ouais. Bah, l'assistante Mimi va nous les chercher. Ouais. Parfait. Galère. Allez, faut y aller, Yo. Hein. Ouais, mais j'ai pas une. On va jamais s'en sortir. Sinon, on est encore là après-demain. Alors, fais voir la carte. Vas-y. Ah, mais mince. Pas mal. Bon, on dirait un lion, hein, pour le coup. Hein. Ouais. On dirait un lion, j'aime bien. Bon, alors, effectivement, la carte est sortie de Pokébox. Donc, malheureusement, elle est pas nickel en haut. Mais bon, bah, ça, c'est le problème de la mise sous Pokébox. Okay. Ok, cool. Tiens, bah, laisse-la dans le champ derrière, là-bas. Tic. Voilà, nickel. Alors. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on a dans ces box? Parce que ça a été la grande énigme. On n'en a pas vu trop sur YouTube. Mais ouais, ça a été la grande énigme de savoir un peu ce qu'on allait avoir. Donc, on a SL2. SL2. Ah, nickel. Ah, SL5, super. SL5. Ah, parfait. Ah, parfait, on a 3 Ultra Prismes. 3 Ultra Prismes et 1 SL2. Ouais, et 1 SL2. Wonderful. Bon, bah commence par SL2, tiens. Au top, ouais. Enfin, en fait, tu fais comme ouais, tu veux. Ouais, non, mais c'est. En chronologique. Ouais. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y, Yo. Allez, on commence. C'est bon, ça va avec tes bras, tu t'en sors? Ça va. Parce que Yo a des petits bras. Ouais. Du coup, c'est compliqué. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais il s'en sort, c'est un patron. Lui. C'est un patron. C'est gentil. Calme-toi quand même. Hein. Prends pas la grosse tête. Ouais, ça va aller. Allez, vas-y. Putain, c'est pas les boosters. 4. Ouais. Allez, chope-nous un truc de dingue. Hop. Alors, énergie. Potion max. Tiens, rapproche un peu, lève un peu. Oh, ouais, voilà, comme nickel, comme ça c'est bien. Ça on voit bien, comme ça tu peux regarder ici. Antenne fixe, Mesmerella, Tentacool, Mélophée. Ouais. Un Funicir, un Scorplane. Bon, on connaît ces cartes. Bébé, ouais. On les connaît, c'est vu et revu. En plus, on s'est ouvert un display hier avec Mimi d'ailleurs. C'est vrai. Un Wellard et un Sinistral Holo. Bah, c'est déjà pas mal, une rare reverse et une Holo. Bon, espérons que ce soit pas le seul pioche qu'on ait. Tiens, vas-y, je vais pousser. Merci. Ouvre le reste. Nickel. Donc, les SL5. Ouais, SL5. Bah, de toute façon, on veut du SL5. Donc, SL2. Oh, on a complété. Moi, je sais pas pour toi, mais ouais, moi, c'est quasi complet. Pareil. Bon, à part les ultra, oui, voilà. Ouais. Les grosses sinon, cartes les de la série. Et les full art, c'est quasiment en full. Rainbow, je dois quoi? Je dois Lugarok. Metalos. Bah, ouais. Moi je sais pas du tout. Allez, Energio. Energio, Cranidos, Gouroutan, Trèfle Manquant,
Reste bourré. Excellent. De 9. Un crossmog. Je sais que tu as pensé très très fort. Un petit peu. Ouais, je sais, j'ai vu que tu as eu un petit temps d'arrêt. Il a pensé très très fort à sa blague qu'il ne refera pas. Un spododo. Rome électrique et un rose radar. Okay. Bon, ok. Vas-y, bon. J'enlève. Merci. Allez, gardez le Giratina. Non, on va se le garder à la fin. Ah bon, ok. On va se faire le finalier d'abord. Pas de problème. C'est toi le boss, fais comme tu veux. Ok. Ouais. 1, 2, 3, 4. On met ça devant. Allez, bon. Et on y va. Énergie électrique. Ouais. Un Manaphy. Lily. Magneton. Baudrive. Chaglam, Blizzy, Magnéti, Cornèbre, un Lixi, et on finira avec un Rotisma froid. Merde, merde, merde. Bon, dernier booster, espérons qu'on ait un petit truc dans celui-ci. Ouais. Sinon, bah, je t'aurais encore mis la cacahuète sur la box. Ouais. Coup, moi, je vais rien avoir du tout. Peut-être, hein. On verra ça. Ah. 3, 4. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de chat. Il y a un chat en détresse. Allez. Lui pas. Peut-être Chaglam, hein. Ouais, c'est un coup. On a un Chaglam en détresse. 9, Tritox. Tiplouf. Spododo. Magmar. Mon couronné. Et. Oh chaud. Oh là là. Bien, wesh. Oh, Conkrelove, oh, Rainbow. Bah parfait. Bah malheureusement je l'ai déjà, hein. Oh, bah je vais te la voler, c'est pas grave. Ah bah pas de soucis, hein. Je vais te la voler. Eh bah franchement, bah, dernier booster, bah heureusement que j'ai ouvert celui-là. Oh, bah une holo, une Rainbow. En dernier. Pas mal. Au top. Bon, ouais. Ok, ouais, bah nickel. Allez, eh à bah. Moi. Décale-toi un peu. Allez. Non mais reste assis, hein, Yo. Ah, ouais. Juste décale-toi un peu. Voilà. Allez, on va pousser tout ça. Et puis, je vais ouvrir la mienne. Hop là, tac, voilà, faire un peu de place, on va pousser ça, ça aussi. Allez, donc. Alors, normalement, t'as une petite astuce, Yo, je vous le montre. Bah, du coup, je vous file le code online, hein. Ouais. Tu m'en voudras pas. Non, mais normalement, quand t'appuies comme ça. Ouais, ça sort. Ah, oui, ouais. Regarde, ils sont pas fous, hein, chez Pokémon Company. Ah, bah oui. Ah, ils pensent bien les choses, hein. Ça, je te file une sleeve. Yes, sir. Thank you so much. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, bah, clairement, je préfère mille fois la Necrozma crinière du couchant. Bon, celle-ci est pas dégueulasse non plus, mais ouais, j'ai quand même une grosse préférence pour l'autre. Déjà, le Pokémon en lui-même me plaît plus, Solgaleo, par rapport à Lunala. Et ouais, je trouve que là, c'est un peu tiré par les vœux. Je suis pas un grand fan, mais bon. Ouais. Allez, ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, normalement, j'espère la même chose, a priori, hein. J'espère. Ok, donc. Eh bah ouais, ah pareil. Ouais. Eh bah allez, on va commencer par SL2. Au top. Ok. Bon, SL2, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Une Rainbow éventuellement? Si, peut-être Rainbow, une énergie. Ouais. Une énergie... ouais. Allez, donc, une énergie acier. L'hôtel de la lune. Bah tiens, hôtel du soleil. Hôtel de la plage. Non, mais le soleil, la plage, c'est pas pareil. Bon, allez, Welmer. Passons, vite, enchaîne. Ouais. Sauf Kipou, Tarinor. Ah, une holo reverse, formidable. Et derrière, eh ben, un Fragile Lady. Bon, bah, c'est déjà pas trop mal, hein, une holo reverse. Ah. Allez, Philali, qui est peut-être le booster que j'aime le moins. Après le crinière du Aile de l'Aurore. Allez. Je crois que je vais éternuer, les copains. Donc, si vous tentez... Non. Les gros aléas du direct, quoi. Ah ouais. Allez, énergie feu. Merci à ceux qui seront restés jusqu'à 9 minutes. Vous aurez entendu le magnifique éternuement. Archéomir, Goupix d'Alola, Sabelette d'Alola, le Pachirizou, un Spiritombe en commune reverse, enfin peu commune reverse, et derrière, un Lampignon. Bon, ok. Ok, ok. Allez, ensuite, bah tiens, on va faire... celui-là, je l'aime de plus en plus, en fait. Hein. C'est vrai. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En fait, je les aime... c'est compliqué, mais je les aime quasi tous, sauf le... Philali. Non, Philali, ça va, le Necrozma, elle, de l'Aurore, ouais.
D'ailleurs, on n'en a pas eu dans cette ouverture. Toi, on n'en avait pas eu non plus. Je me souviens plus. Énergie. Je sais que si. Si, ouais, énergie si, plante. Ouais. Ah, bah si, il était là, je crois. Le premier, ouais. Ouais. Carmash, Chimp en feu, Manglouton, Moufouette, le Goupix d'Alola. Oh, un petit Evoli que je trouve très très cool. Le Cornèbre, un Flow, enfin une Flow, pardon, Reverse, et derrière un coup de langue en rare. Bon, et bah pour cette box, tout repose sur le dernier booster. Giratina. Ouais. C'est dans quoi que t'as eu ton ultra, Giratina, toi? Ah bah tiens, super. Ouais. Et bah est-ce que Giratina va nous porter chance sur cette ouverture? On espère. On va voir. On va voir. Allez, une énergie. Pardon, ouais. J'y arrive. Un Archéodong, Tanguy, Cosmovoom, Seribou, Electek, Tortipus, Cosmog. Je sens qu'on va se faire, avoir. Bananer, ouais. Ouais. J'ai eu envie de dire un autre mot, mais. Ah ouais, bah. Oh putain, non, il y a un truc. Regarde, ça brille en haut là. Ah oui, ouais, même en bas, je vois. Oh là là. Full art. Oh, bien. Eh ben, ouais, magnifique. Eh ben, magnifique. Au top. Ben, franchement. Belle ouverture. Comment ne pas être satisfait de cette ouverture? Bah, formidable! En plus, je l'avais pas, donc ça. Ah, bah voilà, tu vois. Oh, par contre, tu vois, en foulard, je l'aime bien. C'est vrai, c'est je sais pas ce que vous en pensez. Derrière, ouais, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, chez vous, mais c'est vrai que la violine, là, est vachement bien. Ouais. Par contre, sur son crâne, là, c'est bizarre, on dirait un badge de ligue. Tu sais, sur les cartes, il y a un badge de ligue, il reprend les mêmes couleurs. Mais c'est pas mal. Du coup, on va vous faire un petit récap. Donc, pas dégueu, hein, pas dégueu. Alors, attendez, okay, je vais remettre tout ça dans l'ordre. Donc, on a eu, on a eu une petite holo, un Sinistrail donc de SL2, hein, holographique. Nous avons eu le Necrozma Crinière du couchant GX. Bah, ça, c'était la promo de la box, qui est, ma foi, plutôt chouette. Hein. Ouais. J'aime bien. La SM102. Enfin, voilà, vous m'avez compris, c'est déjà chaud. 102 cartes, on est à la moitié du bloc Soleil et Lune, on a déjà 102 promos. Hein. Sans compter toutes celles qui sont sorties aux États-Unis et au Japon qu'on n'a pas eu. Hein, mais il va falloir s'accrocher, les copains. Necrozma L de l'Aurore en GX également, donc la promo de la box Necrozma. Bah, Necrozma L de l'Aurore GX Full Art cette fois-ci, donc qu'on a eu dans la box Necrozma L de l'Aurore d'ailleurs. Voilà. Et puis on finit avec cette magnifique Cancrelove GX Rainbow qu'on a eu dans la box Solgaleo. Donc un plutôt un très bon bilan, hein, deux ultras. Deux ultra inolo, en sachant qu'on a une rainbow, booster, une full art en 8 boosters, ouais, c'est plutôt bon. Ouais, c'est un bon c'est un bon quota, voilà, avec une petite holo, ouais, c'est un très bon quota. Mais j'ai remarqué, les Pokébox, c'est tout ou rien. C'est un peu la loterie, ouais, c'est un peu la loterie. Bon, bah voilà, les copains, écoutez, on va vous laisser ici. On va se retrouver probablement vendredi pour une vidéo un peu spéciale, vous allez voir. C'est un petit item qui sortira en français dans quelques temps, mais pour l'instant, qui n'existe qu'en japonais. Et voilà, ça va être une découverte de série. Je vous en dis pas plus, mais du coup, on va se retrouver vendredi, donc soyez bien au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye. Salut tout le monde, ciao.